Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite les procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés, le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage. Cet article traite, démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps. Fonctionnement. Mis à part le démarrage direct, les différents procédés de démarrage ont pour objectif fondamental de limiter l'intensité absorbée tout en maintenant les performances mécaniques de l'ensemble, moteur-machine entraînée, conforme au cahier des charges. Les procédés qu'on va traiter sont les suivants. Démarrage direct, démarrage étoile-triangle, démarrage par résistance statorique, démarrage par résistance rotorique. Démarrage avec démarreur électronique. Un démarrage direct. Pour réaliser un départ moteur de façon correcte, il faut assurer les fonctions suivantes. Isoler, c'est le rôle du sectionneur. Protéger la puissance contre les courts-circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type AM. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique. Schéma. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Avantage. Simplicité de l'appareillage. Couple important. Temps de démarrage court. Inconvénient, appel du courant important. Démarrage brutal. Démarrage direct avec 2 sens de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. 2. Démarrage étoile-triangle. Le principe du démarrage étoile-triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoile. Il faut donc utiliser un moteur normalement couplé en triangle et dont toutes les extrémités d'enroulement sont sorties sur la plaque à borne. Exemple, sur un réseau 234 centièmes V, il faut donc utiliser un moteur 400-660 centièmes V. Utilisation du démarrage étoile-triangle, machine démarrant à vide, démarrage rotorique, un sens de temps. Fonctionnement de montage, une impulsion sur le bouton poussoir S, 2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation, le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shuntée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Composant schéma de commande, transformateur. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM1. Bobine KM2. Contact NO de KM1, 13 à 14. Relais temporisé 5S NO, fixé sur le contacteur KM1. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou le présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation, le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor premier temps.
Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est shuntée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Cet article traite démarrage rotorique, chronoampère métrique, 4 temps. Fonctionnement de montage. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KA1, ce qui provoque son auto-alimentation. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KA5 se ferme et excite la bobine KM1. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 et R4 dans le circuit du rotor, premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM2 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R4 est shuntée, deuxième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est shuntée, troisième temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R2 est shuntée, troisième temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Composant schéma de commande. Transformateur. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Contact NO de relais thermique F1 pour la signalisation. Bouton poussoir NF S1. Bouton poussoir NO S2. Contact NO de KA1, 13 à 14. Bobine KA1. Contact NO de KM2, 13 à 14. Bobine KM1. Bobine KM2. Bobine KM3. Bobine KM4. Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de leçon de démarrage. Deux relais temporisés, NO, fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou le présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance. 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Discontacteur première tempes KM1. Discontacteur deuxième temps KM2. Contacteur 3 troisième temps KM3. Contacteur 4e temps KM4. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Résistance triphasée R1. Résistance triphasée R4. Moteur asynchrone avec rotor bobiné M3.